quelqu'un qui est en panne là-bas. Papa, ne t'arrête pas, c'est ma prof de maths. Elle est horrible, on peut même pas parler dans ses cours. Bon, on va pas la laisser comme ça, je suis désolé. Non, papa, tu ne t'arrêtes pas. Et voilà, arrivé. Encore merci, monsieur, hein, c'est très gentil. De rien. Et, Paul, on pourrait peut-être profiter de l'occasion pour savoir ce que ton papa pense des bavardages en cours. Moi, là-dessus, je dois dire, je suis assez cool, hein, parce que quand j'avais son âge, ça m'arrivait aussi, j'avoue, de parler un petit peu quand j'étais au collège à Montargis, donc... Attendez, là, Montargis? Quoi? Vous étiez au collège Guy Coelho? Ouais. Simon? Stéphanie? Mais ouais! Stéphanie Chafouin, ma petite chafounette, c'est pas vrai! Simon le siffleur. Mais oui, bah, il sifflait tout le temps, il est très bien d'ailleurs. Oh, vas-y, siffle. Non, bah, j'avais un petit talent, c'est vrai. Un grand. Et là, un peu pour moi. Hey! Oh! Oh, là, là. Oh, tu te souviens le jour où tu t'es fait virer du collège? Ouais, parce que je parlais tout le temps en cours de français. C'est rien de le dire, excuse-moi, une vraie pipelette. Hein. Attendez, quel tout le temps. Ah, elle parlait. N'arrêtez pas. Et puis alors un jour, bon, je faisais le poirier sur une table. Ah, oui. Et là, hein. Bah oh. Je suis tombée sur une armoire qui a basculé sur une baie vitrée qui s'est brisée en mille morceaux. Mais c'est hyper grave. Oh, mais non. Oh, ça va. Bon, allez, j'y vais. Hein. Ah oui, oula. Et dis donc, Paul. Plus de bavardage, ok? Ah ouais, non, Paul, un petit peu sérieux à l'école, hein. Tu y vas pour travailler, hein. C'est pas un parc d'attractions. Allez, boulot. Allez! Non mais oh! Je suis dégoûté de commencer la journée avec Monsieur Galinou. Il est vraiment relou, ce prof. Moi aussi, j'arrive pas à me concentrer. Surtout quand il dit « Bon, ça suffit, là !» Bon, ça suffit, là. Oh, monsieur Galinou. Eh ben, pour une fois que je prends le bus, je suis gâté, merci. Je suis relou, c'est ça? Non, c'est pas que vous êtes relou, mais c'est que... C'est que quoi? Franchement, je suis quand même pas le plus relou du collège. Votre prof de musique, la madame Poissotte, elle est pas relou à force de dire tout le temps... ça va, hein? C'est vrai, c'est pas vrai qu'elle fait comme ça? ça va, hein? Ah, ça va, hein? Dire du mal dans mon dos? Bravo, monsieur Galinou. De la part des élèves, bon, à la limite, mais de vous... Alors là, pour une fois que je prends le bus, je suis gâtée. Hein. Je suis vraiment désolé, madame Poissotte. Si vous pouvez éviter d'en parler à monsieur le directeur. Ne vous inquiétez pas, je vais pas en parler au directeur. Ça servira à rien, à part dire tout le temps... Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il sert à rien. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, là? Oh, monsieur le directeur. Pour une fois que je prends le bus. On va vous laisser entre vous, hein. Au revoir. Bon, bah, ça suffit, là. Oh, bah, ça va, hein. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et puis, c'est là qu'on descend. Oh. Oui. C'est vrai que mon prof de chimie habitait là? Non, monsieur Darbo? Ouais. Oh, il y a son prénom. Noël Darbo. Il a trop une tête à s'appeler Noël. Noël? Tu veux sonner pour savoir comment va son père? Hein? Noël. Parce que père Noël. C'est nul. Hey, alors que si tu me filmes en train de sonner et qu'on part au courant, ça va trop faire marrer mes potes. Oh, vas-y, tiens mon tel. Hop. Voilà. Okay. C'est trop bien. Allez, go, on y va! Attends, je suis collée! Quoi? Ben, je suis collée! Viens m'aider, arrête de filmer! Tu rigoles, c'est la vidéo de l'année! Aide-moi! Bonjour, monsieur Darbo. Bonjour, Noël. Alors, on fait des blagues à son prof? Vous venez de tester une petite colle que j'ai inventée à l'aide d'une nouvelle formule chimique. Je suis assez fier de moi. Prof de chimie ou pas? J'en avais marre que les élèves viennent sonner à ma porte. Bon, moi j'y vais, hein. Ouais, ta sœur te rejoindra dans 10 minutes. Allez, le temps que la colle colle plus. Puis comme je suis un grand fan de colle, je vais en rajouter. 2 heures de colle mercredi prochain. C'est pour moi. Allez, salut. Tessa, reviens!
s'il vous plaît, un peu de silence. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oh. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de ma faute. Hein. Madame Chafouin, votre professeur à la grippe, elle ne pourra pas assurer les cours ce matin. Ouais. C'est Monsieur Pitimini qui va la remplacer. Monsieur Pitimini, le nom trop mimi, quoi. Il est trop Pitimini, Monsieur Pitimini. C'est pas drôle. Monsieur Pitimini, il est tout Pitimini. Et ben voilà, je vous présente Monsieur Pitimini. En rang. Ben non, pas vous. Ben oui, évidemment. Allez, tout le monde en classe. Dépêchez-vous. Tout de suite.